Merci beaucoup, Laurence. Laurence, qui était là d'ailleurs, quand en 2000 on a fait ça, c'était la deuxième édition et dernière au Forum des images jusqu'à maintenant. Donc voilà, on va parler de souvenirs en fait. Donc je vais essayer en fait de vous raconter plus qu'une leçon de cinéma, ça va être une histoire en fait, un conte en quelque sorte. Alors évidemment, je ne vais pas vous les conter comme les conteurs sénégalais, je vais le faire moins bien parce que déjà, je n'ai pas le costume, je n'ai pas non plus les musiciens avec moi, je n'ai pas non plus forcément la faconde et la mémoire de la littérature orale. En tout cas, je pense que je peux du coup vous entraîner dans un hommage à Djibril, mais aussi en souvenir d'un autre Diop qui est décédé, lui, il y a presque un an, que j'ai rencontré d'ailleurs ici, dans cette salle, enfin dans la salle en dessous, puisque celle-là n'était pas avec le forum, en 1998 aussi, avec l'acteur Narsène, décédé également depuis, Narsène qui a écrit un des plus beaux livres que je connais sur Djibril Diop. Cet acteur-conteur, c'était Makhena Diop, qui est un grand, grand vraiment, qui est décédé du Covid en mars l'année dernière, et qui pendant 2, 3 ans a fait des circuits dans les années 2000 avec les films de Djibril, notamment La Petite Vendeuse de Soleil et Le Franc. Donc je voulais rappeler sa mémoire. Donc pour vous faire un conte, il faut commencer par la formule du conte. Alors, normalement, le conteur dit l'ébône, je vais compter. Et l'auditoire répond l'ipône, nous t'écoutons. Amun Nafi, il était une fois. Et l'auditoire répond oui, il y a eu plusieurs fois, cela a pu exister. Après, je reprends en français parce que les mots sont trop compliqués. Il aurait fallu que Diana les prononce pour moi. Le conteur reprend est-ce que vous étiez là quand ça s'est passé? L'auditoire c'est toi qui parles, nous nous écoutons. Et le conteur, avant de commencer le conte, termine en général en disant que les paroles d'aujourd'hui ne sont pas forcément à croire, et l'auditoire répond, surtout la tienne. Je trouve que cette invitation au conte me paraît une bonne manière de commencer un hommage à Djibril Diop Mambéty. Une formule aussi d'ailleurs pour me permettre de dépasser l'émotion en rappelant cette mémoire de Djibril ici au Forum des images, puisque c'est ici que nous avons appris sa disparition. Dans une interview que j'avais réalisée avec lui à Dakar en 1973, Djibril me disait « Moi, je vois de la poésie partout, mais je ne fais pas un cinéma poétique. J'ai une vision très cruelle des choses. La mort est partout dans mes films. J'ai été marqué par des choses bien précises, entre autres la violence de notre société, c'est en 1973, hein, et je ne crois pas qu'on puisse trouver une solution ou une issue par la poésie. » La démarche peut être individualiste, mais les sujets concernent tout le monde. À partir de l'expérience personnelle, on peut arriver à une expérience collective. Et en parlant de qui peut, doit, qui est libre de faire du cinéma, il disait « Je pense que chacun doit pouvoir faire le cinéma qu'il veut à partir du moment où il est sincère et où il essaie d'apporter quelque chose. Il y a de la place pour tout le monde. Mais pour moi, le problème, c'est ceux qui veulent réinventer et ceux qui ne veulent pas réinventer dans tous les domaines de la vie. » Je pense que notre devoir est d'agression. Si nous voulons changer quelque chose, il nous faut agresser le public, l'agacer, le mettre mal à l'aise, sans espérer tout de suite des résultats tangibles. Retour sur image. Djibril est décédé donc le jeudi 23 juillet 1998, pendant la deuxième édition du Festival Racine, Rencontre des cinémas du monde noir, qui se tenait ici du 15 au 31 juillet, et que nous venions de reprendre à l'époque, avec le soutien des RFI du CNC du Forum des images, Michel Ria, qui venait de prendre le début, c'était le tout à fait début, les débuts du forum, et de la mairie de Paris après 13 années de pause forcée. Une aventure que nous avions commencée avec Mahama Traoré, David-Pierre Fila, Inoussa Ousseini, Luz Vigo, Michel Amarger, Arnold Antonin, William Tanefeyeni, Sylvia Gomez-Vaez, Estelle Dumas et bien d'autres. Je les cite parce que c'est important pour moi, parce que c'est des gens qui travaillent depuis des années sur le cinéma et qu'on oublie parce que la mémoire est trop courte. Il y avait aussi Billy Woodbury, Larry Clark et Melvin Van Peebles, et beaucoup d'autres cinéastes, acteurs, journalistes de toute la diaspora, parce que ces rencontres, c'était les rencontres des cinémas du monde noir, des rencontres que Djibril avait encouragées et dont il avait soutenu la naissance en 1985, ça ne nous rajeunit pas, et qu'il avait pris sous son aile et parrainé, lui l'indomptable solitaire. Un coup de téléphone d'Abderrahmane Sissako m'avait appris brutalement le décès de Djibril à l'hôpital. Nous étions en dessous à la salle 300. Une nouvelle que j'ai relayée dans cette salle 300 à Mahama Traoré, qui était en train de présenter un film sur scène, qui a fondu en larmes en pleurant son ami et compagnon de cinéma, Diop Djouba, son nom de totem. Le journaliste Baba Diop écrivit quelques jours plus tard, c'était au mois de juillet 1998. Une fine pluie s'était abattue sur Dakar. À Paris, le festival de films Racine Noire réunissait la diaspora. Dans un hôpital parisien, le libertin de l'image, Djibril Diop Mambéty, refermait tout doucement les yeux pour s'endormir éternellement du sommeil du juste. Le festival éclatait en sanglots,
sous le regard embué de larmes de certains réalisateurs, il pleuvait des images tristes sur l'écran de nos mémoires. Le dimanche 26 juillet 1998, nous avons organisé dans cette même salle 300 un premier hommage en présence de tous les cinéastes et acteurs basés à Paris, avec la projection de Tukibuki, son premier long-métrage, et puis des interviews réalisées tout au long de sa carrière par moi, par Anna Maria Gallonnet du Cohen Milan, par Mahama Traoré ou par le cinéaste Astiam. Des grandes photoportraits signées Cathy Chaboret, les deux qui sont là, encadraient la salle, en fait. Et donc, nous avons fait un hommage à l'image, j'allais dire, de Djibril, chaleureux, riche. On disait souvent que Djibril était plus riche que les plus riches, car il avait la force et le courage de ceux qui ne renoncent jamais. Dans l'Humanité, le lendemain, Émile Breton, journaliste qui travaillait aussi souvent avec nous, écrivit ces mots. Djibril Diop Mambéty, cinéaste sénégalais, est mort la semaine dernière à Paris d'un cancer. Ses amis et d'abord les cinéastes africains présents à Paris, mais pas que les cinéastes et pas que les Africains, lui ont rendu hommage dimanche soir à la Vidéothèque de Paris pendant le festival Racine Noire. L'hommage que cet homme généreux, toujours prêt à partager la parole, aurait aimé, aurait souhaité que l'on se réunisse autour de son premier film, Tukibuki, de 1973, qu'on en parle comme s'il était là, et il sera là. Au cours d'un entretien réalisé au Festival de Cannes 97, poursuit Émile Breton, Djibril avait dit « J'entends aujourd'hui de jeunes cinéastes déclarer qu'ils sont plus cinéastes qu'Africains. Quelle idée! Si on fait un film, on le fait avec son Afrique, celle qu'on porte en soi, comme un Japonais porte son Japon ou un Brésilien son Brésil. » J'ajoute pour ma part que Djibril portait en lui vraiment son Afrique, une Afrique magnifique, libre, pauvre, mais incandescente d'espoir. Il le démontrera, vous le verrez tout à l'heure, formidablement dans le film « Yen ». Le cinéaste Baloufou Bakoupa Kaninda témoignait lui aussi dans un très beau texte que j'ai repris dans un livre intitulé « Afrique 50, singularité d'un cinéma pluriel » publié avec le FESPACO en 2005. Il disait, je vous dis tout ça parce que ça vous situe un peu le personnage avant qu'on rentre dans l'histoire vraiment, c'est ce que font un peu les conteurs, on fait des digressions. Le cinéma africain, disait Baloufou, a perdu l'un de ses 10 heures d'histoire. La nouvelle fuse déchire Paris, puis tels les battements d'un tam-tam de la profonde forêt des sorciers, roule du nord au sud, de l'est à l'ouest, avant de soulever une clameur de tristesse à Colobane. Djibril Diop Mambéty. Ce 23 juillet 1998, les 6 notes syllabiques ont sonné le deuil. Fils d'un imam, Djibril Diop Mambéty, né en 45 à Colobane, cité de Dakar, s'en est allé de l'autre côté de l'écran du monde. Les rideaux de la salle obscure ne sont pas pour autant tombés sur ce cinéaste proche des poètes essentiels de l'Afrique. Il poursuit, Djibril Diop Mambéty est une œuvre du patrimoine de la cinématographie contemporaine. Avant-gardiste, son œuvre sophistiquée et poétique, non conventionnelle, fait de lui l'une des figures référentielles du cinéma. La qualité narrative qu'il a apportée ne se qualifie pas en métrage futile. Sa filmographie est une proposition majeure de rêverie collective. Il y a des hommes dont la vie est elle seule une épitaphe, écrivait encore Baloufou, qui a interviewé Djibril avec d'autres cinéastes pour un très beau film qui s'appelle 10 000 ans de cinéma. Djibril Diop est encore pour nous aujourd'hui un guide et un passeur de souvenirs, de valeurs, de rêves, quelqu'un qui nous entraîne à grandes brassées d'images et de musique innovante sur cette terre d'Afrique qu'il a tant aimée et qu'il a peinte avec des personnages vieux comme le monde et jeunes comme le rêve d'un nouveau siècle. Un passeur d'espoir, un passeur de lumière.
c'était en 1970. Le générique que vous avez vu est filmé par Abdou Farifay, qui est un très grand photographe de plateau et un des premiers cinéastes sénégalais qui avait fait un film expérimental qui s'appelait Les Ballets de la Forêt Sacrée. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est qu'on y voit Djibril et son caméraman, son matériel, sa façon de diriger, ses grands gestes, sa haute silhouette. On y découvre aussi son compagnon de toujours, son frère Oasis, caché derrière un appareil photo et qui jusqu'à la fin et même après restera aux côtés de son aîné pour mieux le protéger. On y plante surtout le décor, Colobane, quartier de Dakar dont les escaliers surplombent la voie rapide, celle qu'on retrouvera dans son dernier film, La petite vendeuse de soleil, 27 ans plus tard. Et on y entend une bande-son très travaillée, une musique, des musiques particulières, sa marque de fabrique. Retour à Paris. Nous sommes en mai-juin 1971. Jeune journaliste ou juste sortie de Sciences Po, je travaillais alors à la Radio Nationale Française, future Radio France Internationale, à la Maison de la Radio, vous savez, cette maison ronde, avec Jean-Claude Weiss, réalisateur des émissions du soir. Un jour, dans ce bureau au mur incurvé, entra un très bel homme, grand et fin, œil de velours, sourire à la fois timide et charmeur, très ironique aussi. Dès qu'il passa la porte, on aurait dit que toute la pièce avait rétréci et qu'un géant au charisme, au charme insolent, en occupait tout l'espace. Jean-Claude me le présenta comme étant Djibril Diop, l'auteur de ce fameux film Badou Boy, primé aux Journées cinématographiques de Carthage 1970, film dont il m'avait largement rebattu les oreilles, comme étant totalement novateur, burlesque, inventif, poétique, politique et très moderne, tout ça à la fois. Djibril était de passage à Paris, retour de Cannes, où Badou Boy venait d'être présenté à la caserne des réalisateurs 1971. Il était en pleine production de son premier long-métrage, Tukibuki. Il cherchait une musique récurrente, capable, c'est ses propres mots, d'exprimer à la fois l'Eldorado et le paradis perdu, sont ses propres mots exacts, dans la tête de ces deux adolescents dakarois qui étaient les héros de son film, Maury, l'ancien berger jeté en ville par l'exode rural, et Anta, jeune étudiante androgyne, anticonformiste, rebelle, deux personnages poussés au départ vers d'autres cieux, plus cléments ou peut-être plus propices à la réalisation de leurs rêves face aux contraintes de la société. Quelques heures de conversation passionnante et d'écoute musicale plus tard, Jean-Claude proposa à Djibril le fameux « Paris, 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 c'est dans mon cœur un coin de paradis », chanté par Joséphine Baker. Je ne vais pas vous le faire, hein, parce qu'avec la voix que j'ai en ce moment, ce n'est pas la peine, vous auriez peur. Ils convergent tous les deux, Jean-Claude et Djibril, à la fois pour des raisons de droit d'auteur, mais aussi parce que ça faisait sens pour Djibril, qui savait parfaitement où il allait placer cette rengaine, de faire une petite boucle d'une dizaine de secondes à peine, celle qu'on entend donc dans le film Tukibuki, et qui revient ponctuer, découper, sublimer, de manière insistante, les rêves de Maury et d'Anta, les deux personnages du film, qui vient les ramener aussi à un passé et un présent dépassé, en quelque sorte, par la magie de ce refrain éraillé et mondialement connu, tiré de la chanson « J'ai deux amours », symbolique aussi, bien sûr, d'un certain état de l'ouverture à l'autre, à l'époque, en Occident. C'était la première fois que je rencontrais Djibril, il avait 26 ans à l'époque, il était à peine plus âgé que moi, et je fus frappée, évidemment, par son élégance, vous avez vu, quasi aristocratique, mais surtout par sa clairvoyance, son humour, sa grande culture, une exigence absolue, sa passion du cinéma et de son pays, et plus encore l'amour de son continent. Il était évident qu'il était parfaitement maître de ses sujets et de son propos filmique, en l'occurrence, pour Tukibuki, un état des lieux d'un Sénégal post-indépendance, affronté à l'exode rural, à la pauvreté, au chômage et au début de l'émigration. Et surtout, me disait-il, une histoire filmée à Dakar, comme toujours. Mais moi, je ne connaissais pas ses deux premiers films. Jean-Claude lui aussi renchérit sur ce Dakar, mi-fantasmé, mi-réaliste, déjà vu dans Badou Boy. Pour le scénario de Tukibuki, Djibril nous a expliqué qu'il était assez chargé côté autobiographie, la sienne, mais celle aussi de ses acteurs Magaï Niang et Myriam Niang, avec lesquels il l'avait écrit et partagé. Nous nous revîmes le lendemain et nous eurent de nouveau l'occasion de discuter de cinéma quand Djibril vient chercher la bande 625 qu'il emporta en jubilant par avance. Évidemment, j'étais bien loin de deviner la surprise que j'allais avoir en voyant le film un peu plus d'un an plus tard à Dakar. En attendant, ses propos m'avaient intriguée, tout comme l'enthousiasme de Jean-Claude. Je cherchais donc à voir ses deux premiers films, Contra City et Badou Boy. Je crois que j'y suis arrivée grâce à la Cinémathèque Afrique, qui officiait à ce moment-là, je ne sais plus où, rue de la Boétie ou quelque chose comme ça. Ah non, bien avant, c'était en 70, là, je ne sais pas, 71. Celle qui était à Saint-Jacques avec l'Odécam après. Mais ça, c'était la première version de la Cinémathèque Afrique, qui disposait à l'époque d'une salle de visionnage pour les chercheurs, les étudiants et les autres curieux.
ma douce France. La douce France n'a pas l'air de bien supporter le soleil. Ça fond. Eh bien, mon petit, ça, c'est Dakar. Ici, tu vois, habite un ami. Tout à côté de ce camp de pétrole. Bien sûr. Bluffeur. C'est ton circoncis qui vient au soin ici tous les deux jours. Tu sais qu'un circoncis ne se lave ni ne change de robe. Alors il m'explique que le signe de guérison, c'est le jour où l'infirmier commence à se boucher le nez. Pour ce qui est de l'avenir, la traduction de son père, c'est-à-dire le théâtre. The sin of my ingratitude, even now, was heavy on me. Thou art so far before, the swiftest wing of recompense is slow to overtake thee. Only I have left to say, more is thy due than more than all can pay. Mais non, c'est pas un théâtre, ça. Hein? Et ça? Qu'est-ce que tu crois que c'est? HLM de luxe. Ah, tu crois? On passerait bien jusqu'au bout. Contrast City 1969. Son premier film, en fait, puisque la première version de Bad Boy qu'il avait tournée en quelques années auparavant a complètement disparu, et il vous racontera tout à l'heure lui-même pourquoi. Dès les premières images de ce film, on est complètement bluffé. On a les images d'un côté, le son de l'autre, deux actions simultanées complètement différentes, et l'inimitable voix de Djibril qui ponctue le récit. Dans tous ses films, d'ailleurs, et c'est une constante, évidemment, qui n'est pas fortuite, Djibril va être à la fois le conteur, dans tout ce que ce mot recouvre d'amplitude, à la fois celui qui raconte, mais aussi celui qui critique ou qui se moque, selon le rôle attribué traditionnellement au griot, mais aussi un personnage agissant de l'histoire, passeur d'informations, que ce soit par la voix ou par sa présence physique. Et tandis que la musique classique déraille et dérape,
on découvre vite Djibril assis dans une charrette, qui pourrait être celle de Samen Ousmane, avec son caméraman et sa script, la très blonde Inge Hirschnitz, présentée comme la française, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue d'ailleurs, dont on entend la voix commenter les réponses, enfin, c'est un dialogue entre eux. En bas de l'image, devant le palais du gouvernement, ils sont à la fois des personnages dans l'image, mais aussi ceux qui filment Dakar et qui dirigent notre regard avec la caméra. Ce tout petit film de 20 minutes nous raconte déjà le cinéma de Djibril Diop tout entier. Le film déambule à travers la ville de Dakar, ses quartiers, une ville de tous les contrastes, de toutes les cultures superposées, à l'image des bâtiments qui la composent, ce qu'elle de la colonisation et du début des indépendances. Et ce film raconte bien autre chose encore. Les petits circoncis, qui sont les seuls qui parlent d'ailleurs, c'est les seuls qui ont une voix dans le film, avec leur bonnet blanc pointu, qui attendent devant le dispensaire, circoncis dont il fit partie, lui qui est fils d'imam évidemment. Les fidèles musulmans qu'on voit prier dans la rue, les artisans du marché, les couches successives de colonisation matérialisées dans les bâtiments. Mais il nous raconte aussi le rapport à la France et puis surtout le théâtre. Théâtre qui ressemble à un HLM, dit-il, et dans lequel il a joué et mis en scène au sein de la troupe nationale. Arrêt sur image. Djibril est donc le descendant d'une grande famille Lébou de la presqu'île de Dakar, dernier d'une longue lignée d'imams, imams faisant partie, si je ne dis pas de bêtises, de la confrérie Layène, une des quatre confréries soufis du Sénégal. Juste pour dire simplement un peu de son héritage et de son histoire. Fils d'imam donc, et promu à un destin tout autre que le sien, mais attiré déjà par la musique et les images. Tout petit, il était spectateur, ou plutôt auditeur assidu, des films qu'il découvrait en face de Colobane, de l'autre côté de la voie rapide, derrière les palissades de bois du cinéma ABC, où il s'est gavé de western, dont Le train sifflera trois fois, son préféré, mais aussi La captive du désert et autres flèches brisées, avant disait son ami Mama Traoré, Les sept mercenaires ou Les sept samouraïs. On retrouve d'ailleurs de nombreuses traces de ce goût du western, des grands espaces, des héros solitaires, dans ses œuvres, notamment dans Badou Boy et dans Yen. En 73, toujours dans la même interview à Dakar, Djibril me disait « Ce qui m'amuse beaucoup quand j'y pense, c'est qu'à l'âge de 7 ans, j'étais déjà producteur-réalisateur. Je réunissais chez moi des copains pour lesquels j'organisais des séances d'ombre chinoise. À l'époque, nous étions tous intoxiqués par les westerns. Aussi, je découpais mes petits bandits et mes petits cow-boys et je faisais des projections le soir à la bougie. Chacun amenait quelque chose, un morceau de sucre. C'était une entreprise qui avait beaucoup de succès. Quelques années plus tard, dans sa lancée, il a créé un café-théâtre, le premier à Dakar, puis fait un début de carrière fulgurant au théâtre Sorano. Il me racontait « Pendant 3 ans, j'ai été comédien au Théâtre National Daniel Sorano à Dakar. J'ai eu l'occasion de tenir beaucoup de rôles importants et même de faire de la mise en scène. Mais en tant que comédien, je me suis toujours considéré comme étant en stage pour arriver au cinéma. C'était donc une chose fatale. Ce théâtre, c'est celui qu'on a vu dans Contrast City. » Et Djibril continuait. J'aurais pu continuer à faire du théâtre, mais on m'a un peu poussé à l'eau dans la mesure où j'ai été renvoyé du Théâtre Sorano en 69 pour indiscipline. Pour moi, c'était comme un défi. Et dans les 3 mois qui ont suivi, j'ai réuni suffisamment de moyens pour tourner un petit film en couleur qui s'appelle Contrast City. Quand j'ai été contrainte de quitter le théâtre, j'ai cherché un sujet et je me suis dit que Dakar en soi était un vrai sujet. Je me suis mis à regarder les contrastes au milieu desquels je vivais et j'ai trouvé très amusante cette ville portant la trace de plusieurs couches de colonisation. Je trouvais drôle, par exemple, que nous ayons une cathédrale de style soudanais, une chambre de commerce qui ressemble à un théâtre, quand le théâtre ressemble à un HLM. Toutes ces contradictions esthétiques m'ont donné l'occasion de m'amuser, car je n'avais pas d'intention commerciale. J'ai donc pu faire ce film, de façon très saine. Numéro 3, Badou Boy. Gardien de la paix, Al. Numéro matricule, 1 324 273. De la brigade des urgences. Oui, présent, commissaire. Vous m'avez ramené mon homme. Ah, commissaire, Setnako Basson. Et je n'ai rien trouvé. Même mon vélo, il ne peut plus me porter. Reprenez la route. Ce soir, vous me donnerez une autre réponse. Il y va de votre pain. Oui, mon commissaire. Merci beaucoup.
C'est lui, commissaire. Sa mère, il lui dit que c'est bandit. Que c'est les fait tous les sourds quelque chose pas mauvais. Non, quelque chose beaucoup mauvais. Décidément, gardien de la paix, Al, votre français ne s'améliore guère. Est-ce à dire que c'est là mon homme? Ah oui, commissaire, je crois. Badou Boy, si. Je sais que si je voulais que nous puissions nous aider, nous devons. Très bien. Attendez avec lui dans le hall. Je vais vous faire connaître tout de suite ma décision. C'est donc ce film Badou Boy qui a eu le grand prix du court-métrage au Festival de Carthage en 70 et qui était donc passé à la caserne des réalisateurs 71. Dès les premières images, on découvre le visage burlesque et la silhouette rondouillarde du gardien de la paix Al, nom américain, numéro matricule 1 324 273, une manière soit de se moquer de la police, soit en dire le poids dans la société. Un gardien de la paix interpellé off par un commissaire, qui n'est autre que Djibril Diop lui-même, qui s'amuse d'ailleurs à faire toutes les voix, y compris les tout, dans le film. Le son nous raconte encore une fois une histoire différente de celle des images. Le commissaire demande dans un français châtié si Al lui a ramené son homme, en l'occurrence Badou Boy, Bad Boy. Al répond en parlant mi Wolof, mi français, ce que ne manquera pas de lui faire remarquer plus tard le commissaire. Dans une des cabanes de ce quartier de Colobane, on découvre alors Badou Boy, chassé par sa mère. Et là, à nouveau, c'est un procédé que Djibril reprendra souvent, son et images éclatent sur fond de musique traditionnelle, poursuivant chacun leur chemin, si j'ose dire. Avec un sens du montage aigu, Djibril nous présente le personnage principal, ce Badou Boy, dont on va suivre l'aventure. Autour de lui, énormément d'enfants, témoins comme dans tous les films de Djibril, qui observent et qui se moquent. Et quand la mère, à force de hurler, s'effondre en tout, Badou Boy vient vers elle, mais pas pour la réconforter, pour lui voler, vous l'avez vu, l'argent dans son petit sac, avant de s'enfuir vers l'escalier qui mène au goudron et donc à la ville.
Donc là aussi, la question des verticalités et des espaces sont extrêmement importants. Là encore, l'image raconte quelque chose et la bande-son nous propose une autre histoire, celle de la quête de Hall, qui continue son enquête et se justifie auprès du commissaire, commissaire qu'on ne verra jamais. Alors, toujours en 1973, dans la même interview, je questionnais Djibril à propos de son ironie et du burlesque dans ce deuxième court-métrage Badou Boy. C'est là où il m'a raconté qu'il y avait eu deux Badou Boy. Le premier tourné en 1966, son véritable premier film. Un ami du Centre culturel français m'avait permis, dit-il, de le réaliser en noir et blanc, mais je le trouvais médiocre. J'ai toujours pensé que l'étiquette africaine n'était pas une excuse à la médiocrité. J'ai donc considéré ce film comme un devoir d'élève. 5 ans plus tard, j'ai retrouvé les mêmes acteurs, celui qui jouait Badou Boy, et le gros policier. C'était en quelque sorte une famille reconstituée 5 ans après. En fait, Badou Boy, c'est une partie de ma jeunesse, mais beaucoup de Sénégalais et d'Africains s'y retrouvent. C'est un Gavroche un peu amoral qui me ressemble beaucoup. Un Gavroche, lui dis-je, qui fait beaucoup courir les gendarmes, et en particulier ce gros policier qui s'essouffle très vite, comme moi, et qui est le point de mire du film. Mais déjà, Djibril, vous manifestiez du goût pour la recherche, pour l'esthétique. Il me répondait, le film n'a pas été un gros succès, justement, parce que le langage et la forme que je me suis assignée n'étaient pas populaires. Il faut choisir entre la recherche et le constat. Pour moi, le cinéaste doit aller beaucoup plus loin que le constat. Je crois par ailleurs que c'est à nous, tout particulièrement, il parlait des cinéastes d'Afrique à l'époque, de réinventer le cinéma. Ça sera difficile, car notre public est habitué à une certaine forme de langage, mais c'est un choix à faire. Soit être très populaire et parler simplement aux gens, soit chercher et trouver un langage africain, excluant le bavardage et s'intéressant davantage à l'image et au son. Flash forward, retour à mon histoire. En juillet 72, je crois, ou en 73, je ne suis plus très sûre de la date exacte, je me rendis pour la première fois de ma vie, à ma décharge, je n'avais que 22 ans, à Dakar avec un groupe de journalistes français, dont Elisabeth Lacage du journal Jeune Afrique, pour une manifestation officielle, dans lesquelles se mêlaient l'élection de Miss Sénégal et la découverte de la culture sénégalaise. Nous eûmes l'occasion d'assister au théâtre Daniel Sorano à la première projection publique de ce même Toukibouki que Djibril Diop préparait lorsque je l'avais rencontré à Paris. Pour remettre un peu le cadre, le théâtre Sorano, c'était alors le théâtre national le plus important en Afrique. Il était au fait de sa renommée et il accueillait ce soir-là des officiels, la presse sénégalaise, les journalistes français invités et un public trié sur le volet. Djibril revenait de l'étranger, d'Italie, je crois. Je savais qu'il avait été l'enfant terrible et l'acteur adoré de ce théâtre, qui porte le nom du comédien franco-sénégalais Daniel Sorano, énorme vedette du théâtre français, notamment aux côtés de Jean Villard au TNP. Daniel Sorano, fils d'un greffier de la cour d'appel de Dakar et d'une descendante d'une signare, elle-même fille d'un gouverneur du Sénégal. Tout un programme. Évidemment, devant un tel public, dans un tel lieu chargé d'histoire, la projection de ce film prenait une importance particulière, surtout en présence de cette délégation de journalistes français qui venaient d'Europe 1, d'RMC ou de France Inter, parmi lesquels le jeune Pierre Lescure. La réaction de la salle fut très étonnante et totalement catastrophique. Dès le début du film, dès les premières images, après l'arrivée du jeune sur son début qui arrive à la ville de Dakar, dès la séquence des abattoirs, pourtant fortement symbolique, mais longue, crue, sanglante. Il y eut des sifflets, des mouvements divers, des bruits de fauteuils claqués, un malaise très perceptible, malaise qui allait en s'aggravant tout au long de la projection, notamment au moment des scènes d'amour, évidemment, entre Antin et Maury, ou de la séquence du vol chez Charlie, l'homosexuel richissime, interprété par Ousseynou Diop. Des raclements de gorge, des éclats de rire traduisaient le malaise et l'incompréhension d'un public qui rejeta le film en bloc, tout comme la presse, d'ailleurs, comme le raconta par la suite le cinéaste Mahamat Traoré. Une œuvre rejetée dès le départ par le public et les soi-disant spécialistes. Nous sortîmes de cette soirée totalement déconcertés par l'accueil du public, avec plein d'étoiles et de questions dans la tête par rapport à cet ovni que nous venions de voir et qui ne ressemblait à rien de commun, pensant d'ailleurs comme Johnson, quelle audace dans l'écriture, dans le montage, une nouvelle esthétique en train de se mettre en place. Cette projection marquait le début d'une polémique furieuse autour de l'œuvre de Djibril, l'ex-comédien vedette, qui avait déjà défrayé la chronique en claquant à la porte de Sorano ou en jouant l'année précédente dans le Décaméron noir, tourné à Dakar par Piero Vivarelli. Et pourtant, dès ce moment, des journalistes comme Annette Mbaye d'Erneville ou Elisabeth Lagache avaient compris ce qui venait de se jouer lors de cette projection et l'incroyable liberté
que Djibril offrait au cinéma africain naissant, lui qui avait décidé, comme le racontait encore Johnson Traoré, de créer un nouveau langage. Toujours dans la même interview, donc à Dakar, je lui demandais « Toukibouki manifeste une volonté de trouver un langage spécifique » et Djibril m'a répondu une réponse étonnante. « Toukibouki est arrivé à un moment de crise très violente dans ma vie. J'ai voulu faire exploser beaucoup de choses, peut-être parce que j'en voulais à la physionomie du cinéma africain qui m'exaspérait, parce qu'à mon sens, trop facile. Je ne dis pas sur un plan idéologique, mais sur le plan de la forme. Les choses ne sont pas poussées, on ne bouscule rien. C'est cette colère qui a donné son visage à Toukibouki. Il me faut autre chose que ce qu'on m'a apporté jusqu'à présent. Je pense que le cinéma africain a une révolution à faire au niveau de la forme et qu'il est grand temps de commencer. Notre problème au départ était quantitatif, tourner beaucoup de films. Maintenant, il nous faut participer à la réinvention mondiale du cinéma et c'est en proposant des formes nouvelles que nous y arriverons. » Je lui dis, mais vous dites vous-même, Djibril, que vos choix esthétiques se heurtent à l'incompréhension du public. Et il me répondait, comme j'étais le producteur du film, ça m'a permis d'être inconscient de l'éventualité de son refus par le public. Je connaissais les circonstances et je les acceptais. Il n'est pas sûr qu'un producteur aurait pris les mêmes risques. Toukibouki, c'est un scénario que Djibril a écrit. Est-ce que ce film était, comme Badou Boy, un film autobiographique? Djibril me répondait, je l'ai écrit et je l'ai vécu, dans un certain sens. Il est question dans ce film des Africains malades de l'Europe, des Africains qui considèrent que l'Europe est la porte de l'Afrique et qu'il faut y être allé pour revenir chez soi et gagner de la considération. Il est question en quelque sorte d'aller faire un stage de civilisation en Europe. Pour beaucoup, la façon d'aller en Europe, c'est le voyage clandestin. Moi-même, j'ai entrepris un voyage clandestin qui m'a mené jusqu'à Marseille, mais j'ai été pris et ramené à Dakar. Le film, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes, le dégoût aussi que m'inspire cette image qu'on s'acharne à donner de l'Europe aux Africains. Une image donnée par les Africains eux-mêmes, en fait. Ceux qui, une fois rentrés, vous dépeignent l'Europe avec un tel sens du merveilleux que vous n'avez plus qu'une envie, y aller. Du coup, vous commencez à vous sentir étranger dans votre propre pays. C'est contre cela, dont j'ai été moi-même victime, que je me suis rebellée dans ce film. En dehors de la recherche artistique, j'ai voulu vraiment faire œuvre utile, essayer d'enlever les illusions de mes compatriotes qui ne sont pas partis et restent malades de l'Europe. Moi, j'en suis guérie. Toukibouki, c'est aussi une peinture de l'adolescence, avec cet adolescent qui brûle tous ses vaisseaux avant de se diriger vers la terre promise, en tout cas, c'est ce qu'il espère. Est-ce que c'était vous, Djibril? À un certain moment de ma vie, c'était moi. J'appartiens à une génération très inquiète, constamment à la recherche d'un refuge. Une génération qui fuit. Moi-même, j'ai beaucoup fui pour trouver autre chose. C'est un malaise qui est toujours mien, quoique maintenant, moins, mais qui caractérise toute ma génération. Extrait numéro 4, bande annonce Toukibouki. Père, ce camarade! Père! Il est 5000. Hey! Jeff, hey! Voyons! Votre vie, le confité! Siasna, siasna! Daï! Ils ont volé! Terre ou volé là! Se tourner à droite! Amener ben un lagarre au bout! Ok, vous faites! Et que nous m'occupons, ok! Que nous m'appelons la nuit taille, mouillos tout, pour voir! Quand j'aime si à la gomme! Ah, mais non! Pas la nuit, top, top, à vie! La même, tout est mon coup! C'est sur la terre! La gomme, c'est de la mer! Paris, 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 c'est
Je vous passe que la bande-annonce parce que j'aurais m'attardé sur Yen et je crois que je déborde déjà dans les temps. Yen qui est pour moi le film le plus complet de Djibril et que je trouve formidable et qui vient de ressortir avec une version restaurée. Pour comprendre la réaction du public par rapport à ce que vous venez de voir, donc qui est le résumé du film, dans un pays indépendant depuis une dizaine d'années seulement, comme était le Sénégal, il faut se souvenir qu'à l'instar de ses œuvres précédentes, Contrast City et Badou Boy, Kibouki apparaissait alors comme un film totalement inclassable. Dans les salles de cinéma de Dakar à l'époque, on voyait surtout des westerns, des films français et quelques films indiens. Des films indiens Bollywood, hein, je ne sais pas encore, mais c'était ça. Quant au cinéaste sénégalais, il proposait encore un cinéma très militant, avec beaucoup de talent d'ailleurs. Il décrivait les conflits entre tradition et modernité sur fond de décombre de la période coloniale. Djibril proposait, lui, des personnages modernes, des héros de chair et de sang qui portaient en eux les rêves de tout un monde encore en devenir. Son jeune paysan déclassé, son héroïne androgyne et révoltée, tout droit sortie des révoltes étudiantes de 1968, très fortement réprimée à Dakar par ailleurs, vivait dans un monde dont le héros aurait pu être Yadi Kone, le bandit d'honneur sénégalais qu'admirait Djibril par-dessus tout, celui qui prenait aux riches pour donner aux pauvres et qu'on trouvera dans son dernier film Le Franc, celui qui, donc, auquel il avait consacré une fondation. Et dans ce monde de Kibouki, dans ce monde de Djibril, les héros des films, américains ou français, sur l'Afrique, en l'occurrence dans le film, c'est le personnage de Tarzan qu'on voit, tombaient, eux, de leur arbre piédestal pour décéder dans un banal accident de la circulation en tentant de s'emparer des instruments de la modernité, en l'occurrence la moto de Maury. En partie autobiographique, construit donc avec les acteurs Mariam Nyang et Magaï Nyang, Tukibuki, le voyage de la hyène, est une peinture d'une adolescence romantique, enfiévrée, en même temps qu'une réflexion sur l'exode rural et l'exil. Le film a été réalisé pour 20 millions de francs CFA et témoigne d'une recherche totalement étonnante. Le film raconte l'histoire d'un rêve, donc, celui de Maury, Magaï Nyang, et celui d'Anta, Myriam Nyang, qui rêve de partir à Paris, terre promise. Lui était berger, on le voit amener au début du film ses troupeaux de zébus à l'abattoir, en pleine crise du monde rural. Depuis, il erre en sillonnant la ville, sur sa moto, au chômage, moto ornée des cordes de zébus. Elle, jeune étudiante androgyne, vit également en marge. Elle s'habille en garçon, elle provoque, elle agace sa famille. Elle conteste tout. Leur amour étant leur seule richesse, ils décident pour réaliser leur rêve de se procurer par tous les moyens l'argent nécessaire à leur départ. S'en suivent plusieurs péripéties, dont le vol d'un riche homosexuel, Ousseynou Diop, qui est décédé lui aussi malheureusement, auquel Maury a laissé croire qu'il n'était pas insensible. Après des scènes mémorables devenues cultes aujourd'hui, l'amour en haut d'une falaise, le voyage en traction façon présidentielle, président de la République même, d'ailleurs montage alterné entre Maury Anta qui se promenait dans une traction et un vrai défilé de la présidence de la République sénégalaise, ce qu'on n'a pas apprécié non plus à Dakar. Donc on retrouve Maury Anta sur le grand bateau blanc, Lancerville, qui doit partir pour la France. Anta monte, mais Maury au dernier moment renonce et s'enfuit, laissant Anta partir seule. Baloufou Bakoupa Kaninda, toujours le même que je vous citais tout à l'heure, le cinéaste congolais, écrivait sur Tukibuki, « Mambéti est le produit de plusieurs cultures, savantes et populaires, religieuses et païennes, théâtrales et littéraires, africaines et occidentales, des films westerns et des films indiens de sa jeunesse. Si ses œuvres expriment une esthétique enivrante, c'est pour évoquer le rêve d'un monde qu'il voulait socialement beau. Cette vision onirique est pour lui une réelle quête de pureté, qui, telle une alliance, extasie, et électrise la communion souhaitée avec l'audience et le public. » Heureusement sélectionné donc à la caserne des réalisateurs à Cannes en 1973, Tukibuki obtint la même année à Moscou le prix de la critique internationale. Petit à petit, au fil des années, le film Maudit devint un film culte, tout particulièrement après sa sortie à Paris, de longues années plus tard. Il y obtint un succès critique considérable. On parla à son propos d'un film météore, et la critique française, en manque de repères, n'hésita pas à évoquer une sorte d'à bout de souffle africain. Mais dans la tête de Djibril, le mal était fait. Il quitta le Sénégal pour la France, pour l'Italie, pour le monde, et il revint plus tard à Dakar, où il vécut sur le port, parmi ces petites gens qu'il affectionnait, abandonnant pendant plus de 20 ans le cinéma qu'il avait tant aimé, avant qu'Idrissa Ouédraogo ne vienne lui redonner le goût des images. Idrissa, qui est décédé aussi, était un fan de Djibril Diop qu'il avait découvert dans les cinémas de Ouagadougou pendant le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma, bien avant de faire lui-même son premier film. Entre les deux cinéastes, s'était nouée une amitié réelle. Et quand Idrissa commença avec le producteur suisse Pierre-Alain Meyer la production de son premier long-métrage, Yaba, il eut l'idée, l'envie,
de remettre en selle le grand frère en lui proposant de tourner le making-of de son film. Curieusement, le producteur explique dans des interviews que c'est Djibril qui est venu à lui, contrairement à ce qu'Idrissa nous avait raconté. Secret de cinéaste. Quoi qu'il en soit, ce film, Parlons grand-mère, loin d'être un simple making-of, redonna à Djibril l'envie de jouer avec les sons, les images, les lumières et le récit éclaté. Et la formidable vieille dame qui joue dans Yaba n'est sans doute pas pour rien dans son envie de reprendre un vieux projet qui deviendra Yen. En tout cas, Pierre Alamédière fut suffisamment conquis pour entrer aux côtés de Djibril dans la production de Yen, production longue, pas facile, reprise deux fois, car la première fois la pellicule avait été abîmée. Yen, très très fidèlement adapté, c'est incroyable quand on lit le texte, de la visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, l'homme de théâtre suisse-allemand. Ce qui est totalement extraordinaire, c'est que le film respecte quasiment à la lettre le texte et les dialogues de la pièce, conservant même sa structure en trois parties. Djibril filme avec puissance et flamboyance le retour au pays et la vengeance de Liger Ramatou. Alors, je vais vous demander de prêter un peu l'oreille parce que c'est une interview que nous avons réalisée à la Villette en 1997, où il y avait une rétrospective de films d'Afrique. Je vous demanderai de prêter l'oreille car Djibril était déjà très malade, vous allez l'entendre à sa voix. Et c'est un peu une interview somme que j'ai réalisée cette année-là. Il y parle de ses films, à commencer par Yen, et puis il revient sur son rêve de cinéma. Et il évoque la trilogie qu'il avait commencée après Yen, une trilogie restée inachevée, puisqu'il n'a pu tourner que Le Franc et La Petite Vendeuse de Soleil, terminée d'ailleurs par son frère Waziz. Donc l'interview de Djibril, c'est l'entretien, c'est la scène numéro 7. Je voulais t'envoyer un message à transmettre ce soir, mais j'y renonce. Après tout, on n'a jamais fait un film tout seul. En faisant Yen, notre dessin était continental. Nous avons fait appel en ouverture aux éléphants de Masai Mara au Kenya, aux Yen d'Ouganda, aux hommes du Sénégal, aux toboggans et feux d'artifice de la fête de l'humanité à la Courneuve. C'était en 1987. Nous avons dédié le tout à Friedrich Dürrenmatt, le Suisse indomptable, Dramand Dramé, l'homme qui va devoir peut-être mourir au bout de ce film, vous salue. Il saura pourquoi il meurt, mais pas comment. Toi non plus, tu ne le sauras. Seul quelqu'un sait. C'est la magie. Si tu veux tout savoir, tu casses la magie. Le cinéma, c'est de la magie. Avec quoi finalement d'autre que la foi? Un film, on perd beaucoup en Afrique le sens du rôle de l'adulte par rapport à l'enfant. Parce que vous êtes rattrapé par la civilisation occidentale qui fait que les sages ne sont plus que des vieux. C'est dommage d'être vieux si jeune. L'océan est synonyme d'un sourire, une ouverture sur un visage. L'océan, c'est le rire d'un enfant qui n'a pas faim. L'océan, c'est comme quand on ferme bien les yeux pour apprendre à faire du cinéma. C'est la lumière qui sort, tout simplement. L'océan, c'est là où par la grâce du ciel et de la terre réunies, nous sommes lavés de tant d'errances.
L'océan, c'est disons les larmes des dieux qui se désolaient de ne pas avoir de maman. Si les acteurs sont sur le bouquet, comme Draman Dramé et Lingué Ramatou sont Oyen, ces personnages-là, c'est curieux, on les retrouve dans ma vie. Celui de Tukibuki, l'homme qui reste sur les quais, est le même Draman Dramé qui reste vautré dans son épicerie de Colobane entouré de hyènes. Cette jeune fille de Tukibuki, qui était jouée par Myriam Nyang à l'époque, qui partit donc vers traverse l'Atlantique pour aller de l'autre côté des mers, en Occident, pour fuir la grisaille, aller vers la grisaille opulente, comme on disait. C'est elle-même qui revient retrouver l'homme sur les quais et retrouver Draman Dramé pour le punir de ne pas avoir été correct, de ne pas être parti. Dans Yen, donc. Oui. Donc, ces personnages sont les mêmes. Ces deux films sont les mêmes. C'est une histoire laissée en 92, 72, 73 dans Tukibuki que 20 ans après, en tant que réalisateur, moi, je reprends les mêmes personnages dans un autre âge. Donc, vous faites si bien de dire le mettre en œuvre. Et l'œuvre, c'est justement, il n'y a pas eu de rupture malgré 20 ans de silence. Je ne sais pas si j'ai fini de dire tout ce que j'ai à dire sur l'argent. Curieusement, tout dénonce l'argent. Le troisième de la trilogie, La Tailleuse de Pierre. Pareil, certainement, une tailleuse de pierre qui taille des blocs de basalte noir. Ça s'amoncelle à partir du matin jusqu'au soir devant elle et les casse, les tailles, ça monte. Ça crée des immeubles, ça fait le bonheur des promoteurs immobiliers. Et cette dame-là, on ne la paye pas. Alors là, elle n'entend pas du tout ni de ce toit ni de ses tripes. Il faudra qu'on la paye. L'argent aussi. La traîtrise. Les hommes. Nous allons commencer bientôt pour clôturer la trilogie des petites gens. Vous savez, je n'ai jamais pris le cinéma très au sérieux. Je n'ai jamais pensé que c'est une chose qui devait m'occuper tout le temps. Ça deviendrait très ennuyeux. Donc vous allez arriver à finir ce que vous aviez envie de faire il y a 20 ans? Bien sûr. Vous avez toujours l'espoir, finalement? Non, c'est même pas l'espoir. Je chevauche le vent. Draman Dramé.
Moussoumou Nengis. 1945. Madon Atifichi Koloban. Birum Linger Ramatu. Mundao. Draman Drame Senyari Sedengi. Longen Waton Chikanamo Tribunal B. Nuni. Nyo Honne. Nyotede. Linger Ramatu. Djibril Diop en personne, donc, cette fois-ci, dans le rôle du président du tribunal. D'ailleurs, Djibril parlait du vent, et c'est vrai que le vent est important dans ses récits, dans sa pensée. Le vent qui entraîne la pensée des hommes, c'est ce que disait Souleymane Cissé dans son film, Finier. Le vent qui est un des éléments fondamentaux, en fait, de l'action et du style que donne Djibril au cinéma qu'il tourne. On va revenir encore un petit peu à Yen, si vous le voulez bien, parce que j'aimerais vous passer encore deux extraits, si ça ne vous embête pas. Parce qu'à chaque fois qu'il nous parle de ces petites gens qu'il aimait tant, qu'il a toujours défendu à travers ses films, contre les puissants, les nantis, il raconte aussi, à travers le retour de cette femme magnifique, Linger Ramatu, une femme bionique, reconstruite avec de l'or. Il nous parle aussi de l'état de l'Afrique, 30 ans après les indépendances. Il parle de globalisation, il parle de banque mondiale, il parle de pauvreté entretenue. Donc voilà un extrait de Yen. J'ai choisi de passer en français, car d'ailleurs Djibril avait supervisé la vision, et en plus ça permet à la fois d'entendre le texte qui est extrêmement important et de voir totalement la structure du récit, les personnages, leur position, les décors, les costumes, les couleurs et la musique. Dans cet extrait, on retrouve également Joachim, alias Issa Samb, sculpteur, poète, philosophe et grand ami de Djibril, qui joue le professeur Auberet, un grand philosophe aujourd'hui disparu malheureusement. Donc on va passer l'extrait de Yen. Jangale katu koloban bi ak docteur koloban bi ñolo setti linger yu dox di gess fa dombe ya ko def sa bop ne len ñu yexi linger neena mu ngeen exi wala ngeen xaar ba ca kanam delu ci non lang birum drama da menu findi drama la deug dañ ko re yeedet ken xalaatu ko rey fi du reyukay liñu namp dañ ko xam lu den sen tank nak dekk bi dañu lebelebele ba meuna tunu baba ana sen dem ak sen xaar ba songoma da xam nga ni fe ci xur xaar yalla ya am nañu fa pétrole da xam nga ni am nañu fa ganjar gudu je da xam nga ni fe ci wala def am nañu fa phosphate budul jeex ñun soxlo wuñu ku ñu sarax te ñu bëgg rek ku ñu lebal ñu liggéey jaay soxali suñu tundu wi jangama dañoo bëgg suñu gox bi ñu ku melne yow jënd usine yi fi nek déparat len jënd tax yi fi nek soppli len li ci nek nak dama mënul jënd ñaari yoon ndax li ngeen may jaay lepp mako mom usine yi xuru bu tek depp bi mbéd do mbéd kéro kër mako mom jënd na njaxas yépp samay nit tej isini tej mbari bugal op bolo ko degar bop jay sa dola ci dar yak ci dund ci ne fayantu jaruko ndax ken xamul fan lay tere buñu ko tambale ñun dañu ñak wané denguñu mangi fatelako ben go ci koloban muy taw taw bu metti wa koloban duma kokkali booba diis na tey dellu ci na te juruma kenn maa togg sama cin te maa koy seddaleel sama bopp ndax àddina tegoon na ma caga tey mu ngi mel ni sumba si tas kuy seetaan cim te yaru loolu laa
bata fegay ndamu fatel mu amu ndegular nak bu setan ci bu ñu ne ya ba dafa tek nga pay say bor damay pay samay bor ding len tango direct mbay ngeen torox ba faaw Bon, c'était pas en français, mais au moins vous l'avez vu avec la voix réelle des personnages. C'est pas grave. Je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, tout au début de l'extrait, on voit la tête de Lydia Ramatou, très douloureuse, en fait, quand elle pense que Draman Dramé, pourtant elle est venue pour ça, que Draman Dramé est mort. Donc elle a, c'est un tout petit truc, un tout petit clin d'œil que fait Djibril, qui nous explique aussi ce qu'il racontait dans l'interview. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il ne va pas mourir? Est-ce qu'il va partir avec Lydia Ramatou dans un autre espace? C'est aussi ça, le film. Donc ce film qui est un conte très cruel en fait sur la corruption, sur la lâcheté, sur le pouvoir de l'argent, c'est aussi un film qui déploie des images de paysages des plus grands westerns et aussi des sacrifices rituels comme dans Tukibuki on y sacrifie un zébu, témoignage du fond animiste très fort qui parcourt la société sénégalaise et les films de Djibril. Dans son interview, Djibril disait que Draman Dramé allait peut-être mourir. Du coup, j'ai envie de vous montrer quand même une des dernières scènes du film et je pense que ça ne vous privera pas de découvrir ce magnifique film dans sa version restaurée, parce que le but du film, c'est pas de connaître la fin. Comme disait la grande styliste Oumoussi, qui a créé les costumes de Yen, à l'occasion de l'hommage que nous lui avions rendu à Djibril en 2018 à Dakar, avec RFI et le ministère de la Culture du Sénégal, en présence des acteurs de Djibril, dont Lisa Balera, la petite vendeuse de soleil, et Ben Diogaibé, un de ses assistants, elle disait « Djibril, c'est une école. J'aimerais que tous les jeunes regardent les films de Djibril, parce que si tu regardes les films de Djibril, tu finiras par être cinéaste sans le savoir. » Donc je pense que c'est l'extrait 11.
guna sama data guna sama bay wurna rewte. Musique Oasis Diop. D'ailleurs, il y a un coffret de Yen qui existe, donc qu'on avait fait avec, avec Blackout, la cité Blackout, dans lequel vous avez en bonus toute la musique du film qui est absolument magnifique, et puis les interviews que j'ai passées là, et d'autres suppléments. Yen, donc, qui fut le dernier film de long-métrage de Djibril Diop Mambéty. Yen, donc, ces images de la fin sont très, très cruelles, je trouve, c'est dur à supporter, en fait, quand l'âme de Draman est mangée en fait par les initiés et que tout d'un coup le monde change d'optique. Tout d'un coup ce monde, cette tradition, ces initiés, cette vie qu'on avait dans ce village disparaît au profit du monde moderne qu'on aperçoit derrière avec les immeubles de Dakar, l'avion qui traverse le ciel et reste seul le baobab, symbole de la sagesse éternelle. Mais devant le baobab, c'est une terre labourée. Pour rien, c'est le vide. Ce film, donc, pour moi, était vraiment extrêmement important. Il est peut-être moins connu que Tukibuki, mais je trouve qu'il était passé d'ailleurs en compétition au Festival de Cannes en 92. Je trouve que c'est vraiment un travail absolument extraordinaire. Djibril, comme il le racontait dans l'interview que vous avez écouté tout à l'heure, voulait en fait réaliser un cycle de 3 moyens métrages et reprendre un 3e long métrage ensuite, et il n'a pas eu le temps. Ces 3 moyens métrages devaient être regroupés dans une collection qu'il aurait appelée l'histoire des petites gens. Il n'a réalisé que les 2 premiers volets, Le Franc et La Petite Vendeuse de Soleil, son dernier film, dont le montage a été terminé, puisqu'il était déjà très malade, par son frère Oasis Diop, qui a fait la musique de Yen et la musique de La Petite Vendeuse de Soleil aussi. On y retrouve dans ce film ses obsessions, dans ces 2 films, les obsessions de Djibril, la force de la musique, la force des artistes, l'importance qu'il donne au rôle des artistes dans la société, l'injustice, le problème de l'argent, mais aussi l'espoir dans la rébellion et la référence au conte. Dans Le Franc, la référence est très claire. Il s'agit de Cous, personnage célèbre des contes, un nain un peu sorcier, incarné dans le film par un acteur qu'on va retrouver dans La Petite Vendeuse de Soleil, et qui vend au personnage principal, Marigot, le billet gagnant de la loterie nationale. Ce personnage, on va le retrouver dans La Petite Vendeuse de Soleil, en porteur de Kangama moderne. Je ne sais pas, on appelait ça les blasters, il me semble, à un moment donné, quand on se baladait avec les grands transistors sur la tête. Donc je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce, enfin plutôt la bande-annonce du Franc, qui est donc son avant-dernier film. Jogol guddina guddir setna mari go jogol ay mari go jogol ay mari go lañ la ñu dama xol ci ba nga defoni ci suma la di yott ak di def xit yow yaay xaj bu teer ak deggel ñu lo dara di nga dëndël biir bi yeb du ci am o na nga dëndë biir bi gaw ko nga ma di nga ci am ok di nga ci am 5 5 5 la papa ya gagné. La, yo papa numéro bi ñu gagné ci ginnaw la nek. Mo ci xam do. Légui da ngay dem xolli biye bi ci kanam ne nga ñew ñu fay la. Le personnage principal Marigot donc rêve de son instrument, le kongoma confisqué par sa logeuse pour cause de non-paiement chronique du loyer. Il va avoir un billet de la loterie nationale, donc donné par Cous, et décide de le mettre en sécurité. Pour ce faire, il le colle sur la porte, vous l'avez vu, et le recouvre d'un poster de Yadikone, donc toujours ce fameux Robin des Bois auquel Djibril était très sensible. Le soir du tirage, la fortune explose à ses yeux. Malheureusement, le numéro gagnant, c'est bien celui de son billet, mais l'ennui, comme le dit la jeune femme dans le film, c'est qu'il a collé le billet à la porte et que l'authentification du billet est derrière. Donc là encore, le récit est fracturé, on va le voir, poursuivre sa quête à travers les rues de Dakar, porter sa porte jusqu'à ce qu'il arrive à décoller ce billet, peut-être décoller ou pas dans la mer. Le récit est fracturé, le son a une importance capitale, car d'ailleurs, depuis son premier moyen-métrage jusqu'à son dernier film, le son est comme un personnage à part entière des films de Djibril. Vous allez voir tout à l'heure La Petite Vendeuse de Soleil, les béquilles de La Petite Vendeuse de Soleil encouragent progressivement le rythme de la percussion, une course derrière un bus
Dans Badou Boy transforme les bruits de la ville en son d'un western. La plainte d'un saxophone se juxtapose à l'appel à la prière dans les rues de Dakar. La voix des mouettes, le son de la mer ou les tambours éclatent dans les bruits des vagues et du vent. Extrait donc La Petite Vendeuse de Soleil. Bo doxé ci mbéd mi bo sakaté sax mu xam na la jangal na ma ay lèb yi bare bare jangal na ma sax lekk ak ndomba munuma jang wante mun na la ko wax mako ben bis la won nak ñom ñepp ñu dajé sa penché ma légui ñu ni dañuy xol ban rabu all mo gëna tuti mo gëna tuti légui bëkki muni man dé judduna salaku kër ma jabel li jaay gayne ni koy judduna salaku kër ma jabel wër wé passé li jaay gayne ni koy yow dé bokko légui golo muni ma ma ngi ni di juddu ñepp di ko taccu mu défé ni mo gagné légui lekk mu yegg ci bankas bi gëna gudd ci bankas yi mu ni xal leen ma gëw bi xal leen ma gëw bi légui ñu xal mu tepp mu ni judduna légui mam ele mam ñay l'éléphant ak ndi jaay gaynde la lion ñu ni konté konté lekk mo gëna fété ndaw serabu alli ñepp di ko taccu yow do taccu selle bi neexna wante legui nak do mo wayal awa rafet awa jenk tan awa neexa ko kanam gi ne setu bani ni woru jenni awa bo ndugge bu fa yag ndax kilifa la nawet bangi bëgg ñoo de Le vent, effectivement. Donc c'est le dernier film de Djibril. Le montage a été terminé par Oasis, mais apparemment il avait un conducteur très précis du montage du film. Et je voulais vous passer cet extrait pour terminer parce qu'on revient au conte, tant il est vrai que les conteurs en général concluent, comme le fait Oasis Diop d'ailleurs en chantant à la fin de La Petite Vendeuse de Soleil, le conte alla se jeter dans la mer, celui qui en respirera le parfum ira au paradis. Il s'agit donc de cette petite fille que vous avez vue, qui, interprétée par Lisa Ballerin, qui en fait au début du film est dans un, habite dans, toujours à Colbane, dans un, des maisons comme celles que vous avez vues dans les extraits de Badou Boy, qui va décider un matin, alors qu'elle mendie d'habitude dans la rue à côté de sa grand-mère, qui chante des chants religieux et qui mendie, elle va décider, de, parce qu'elle voit un garçon en train de vendre le journal, de faire comme lui et d'aller vendre le journal Le Soleil. Quelque chose que les petites filles ne font pas, évidemment, d'habitude. Et elle va se bagarrer pour obtenir à la fois du vendeur qui lui confie les journaux et puis aussi contre les garçons qui vont se liguer contre elle pour obtenir le droit d'exister, en fait, en tant que jeune femme, jeune fille, libre, indépendante, ne dépendant pas de sa grand-mère et trouvant une autre manière de mener sa vie.
Et là, l'extrait, vous avez vu, c'est presque vers la fin du film, quand elle est poussée dans la mer par les jeunes garçons qui se battent contre elle, évidemment, parce qu'elle prend leur place et parce qu'elle est plus douée qu'eux pour récupérer l'argent des clients. Et donc, elle retrouve l'ami qui l'a sauvée. Et on finit effectivement par un conte, puisque vous avez le livre Luc le Lièvre, qui est un des contes les plus connus d'un Diop, un autre Diop, qui a écrit les contes d'Amadou Kourma, c'est ça ? Les nouveaux contes, je pense. Et donc, c'est pour vous montrer aussi l'importance, en fait, chez Djibril, de la culture traditionnelle, mais pas dans le mauvais sens du terme, du fond important, du fond culturel d'Afrique, puisqu'il parle d'Afrique dans son interview. Il ne défend pas seulement la culture sénégalaise, c'est la culture d'Afrique, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, qu'il connaît particulièrement bien. Vous montrez aussi la façon dont il peint des personnages de femmes. Il y a dans Tukibuki cette androgyne qui interprète Maguey Myriam Niang, qui d'ailleurs, curieusement, a eu un destin très tragique, parce qu'en fait, Myriam, comme le personnage du film, est partie vivre ailleurs. Elle a tourné dans les films de Saman Ousmane, dont Khala, et puis elle est partie du Sénégal. Et on l'a retrouvée quelques années plus tard, je ne sais comment, travaillant sur une plateforme pétrolière dans l'Arctique. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et d'ailleurs, Mati Diop l'avait filmé dans la première version qu'elle a faite de Mille Soleils, version qui a été faite, en fait, grâce à l'hommage qu'on avait rendu en 2008, pour la dixième commémoration en fait de la mort de Djibril Diop Mambéty. On avait organisé RFI, le ministère de la Culture du Sénégal, et puis différents partenaires sénégalais, un hommage dans les rues de Dakar, en montant des grands écrans et en passant notamment Tukibuki, au carrefour de Koloban et dans la Médina. Et le jour où on l'a passé le film, il s'est mis à pleuvoir. Et ça, c'est quelque chose de très magique. On s'est tous retrouvés sous la tente, parce qu'on avait évidemment une grande tente face à l'écran. L'écran qui racontait, qui nous montrait Tukibuki. Et on a refait un deuxième. Et à ce moment-là, j'avais invité Oasis Diop et donc Mati Diop, qui est la fille de Oasis, pour venir assister à cette séance tout à fait extraordinaire dans les rues de Dakar. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu un film sur grand écran. Il y a des gamins qui découvraient enfin ce que c'était que ce Djibril Diop dont on leur parlait de temps en temps, cette espèce de phénomène en fait qui était Djibril, et ils ont découvert en fait dans les rues de la ville, avec le bruit de la ville autour, la force du témoignage et du rêve de cet homme. On a fait un deuxième hommage en 2018, toujours à Dakar, avec toujours la RFI et puis le ministère de la Culture sénégalais, l'Institut français, le centre culturel Senghor, et puis beaucoup de lieux dans la ville où on a passé tous les films de Djibril Diop avec des ateliers, etc. C'était en fait une organisation tripartite où on est parti du musée d'Appert à Paris où on faisait un ciné-club et où cette fois-là on a rendu hommage à Djibril en passant Yen, je crois d'ailleurs, ou Tukibuki, j'ai oublié. La même manifestation qui s'appelait L'homme où se mêle devant est partie à Ergla, au festival du patrimoine monté par notre ami, dont j'ai oublié le nom, évidemment. Tu peux me souffler, Brice ? Comment s'appelle-t-il déjà ? Chalouf, voilà, Mohamed Chalouf, qui a monté avec Oasis, avec Baba Diop, avec donc ce critique sénégalais dont je citais quelques mots au début, avec aussi d'autres journalistes, Thierno Dien, etc., qui a monté la même projection de film dans les faubourgs donc, de Ergla, dans le Festival Cinéma du Patrimoine. Et on a amené tout ça à Dakar de nouveau. Et donc là, c'était de nouveau très impressionnant de voir au 20e anniversaire de la mort de Djibril que le cinéma n'allait pas mieux, que même si les cinéastes étaient en train de revivre, qu'il y avait de nouveau du cinéma à Dakar, il n'y avait pas de salle. Ça a beaucoup changé depuis, on pourra peut-être en parler si vous voulez. Mais en tout cas, c'était important pour moi de vous raconter ces souvenirs plutôt que de vous parler de Djibril, on peut en parler pendant des heures et des heures, parce que tout est tellement fou que même si on en parle pendant trois heures, on n'a pas encore dit le quart du millième de ce que vous pourrez raconter sur Djibril Diop Mambéty et son génie du cinéma.